Salut tout le monde, ici c'est Yoko pour la nouvelle partie donc sur Illusion of Time. Alors je sais, ça fait un moment, comme d'habitude, hein, on est arrivé dans ces grottes dont j'ai oublié le nom. C'est pas marqué ici non plus, tant pis. Hop, je me trompe de bouton. Eh, ne regarde pas. Donc si vous vous rappelez bien, on venait juste de terminer Mu. Ouais, c'est un nom particulier, Mu. Je me demande jusqu'où ce tunnel va. Bonne question. Il y a des milliers d'années, un peuple marcha dans ce tunnel. Quand je pense à tout ce passé grandiose, je me sens insignifiant. Les gens sont conflictuels. Plus nous passerons de temps dans ce tunnel, plus nous oublierons la raison de cette quête. Crois-tu que les anciens peuples étaient en proie au même sentiment? J'ai faim, je veux un steak frites. Je fais de l'acné à force de manger des saletés. Ah bah, steak frites, ça va pas t'aider à perdre ton acné, hein. Manger gras, c'est pas conseillé. Enfin, trop gras, tout du moins. Ah bah, on va continuer. Qu'est-ce que c'est? Notre seule nourriture consiste de ces champignons. Hier, des champignons grillés, avant-hier, des champignons bouillis. Avant cela, ils étaient crus, aucun goût. Il faut s'en contenter, il faut vivre, il faut manger. On peut même pas se barrer en plus. Ok, donc le tunnel est long et du coup, on bouffe ce qu'on trouve. Ah non, encore des champignons. C'est mieux que de mourir de faim, mange. D'ailleurs, fais pas chier quoi, si t'es pas contente, t'as qu'à lécher les cailloux quoi. Et ainsi s'écoula une autre journée monotone. Bah dis donc. Huitième jour dans le tunnel. Incapable de dormir, je contemplais une rivière souterraine. Tu essaies de trouver une solution? Non, non, je faisais du jogging. Je plaisantais, putain, bigard, sors de ce corps, s'il te plaît. Paul, tu as changé de... Ouais, enfin, il manquait le mot connard. Paul, tu as changé depuis le début de ce voyage. Tu as perdu ton côté petit garçon. Parfois, j'ai du mal à le réaliser, mais je peux utiliser des pouvoirs mystérieux. Je peux aussi me changer en guerrier. Ces changements ont lieu lors du départ de mon père, pour la tour Pandémon. Je commence seulement à assimiler ce pouvoir. Et toi, pourquoi fais-tu partie de cette expédition dangereuse? Au début, c'était pour rire, maintenant j'ai mes propres raisons. Paul, le chemin sera long demain. Essayons de dormir. Déjà 2 semaines dans le tunnel et pas de sortie en vue. La nuit dernière, un bruit étrange venant d'en haut m'a réveillé. Flora se fait du souci au sujet de ce bruit. J'ai du mal à parler, c'est impressionnant. Moi, je suis trop fatigué pour entreprendre quoi que ce soit. Ok. En effet, il y a du bruit. Attends, j'ai encore entendu ce bruit. Ok, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est Moby? Ah non, enfuyons-nous! Alors Moby, bah évidemment, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, c'est Moby Dick, hein, c'est la baleine qui a bouffé Jonas. Et où donc, mademoiselle la maligne? Bah, dans ton cul. Ok. Taisez-vous, écoutez, il y a une vibration dans les sons. C'est du morse. Les bateaux l'utilisaient pour communiquer, la longueur du son correspond à une lettre de l'alphabet. Voyons si je peux décoder. C'est Jonas qui nous parle de la baleine. Bah, il est pas mort en fait. Hein. Bon, évidemment, si vous connaissiez Moby Dick, vous le saviez. C'est Jonas. Jonas. Chut, du calme. Nico continue. Moby m'a avalé. Alors, parle plus vite, mon garçon. Avant de faire quoi que ce soit. Mon corps prit la forme du monstre. Ah ok, c'est la baleine maintenant. Ce Moby est une créature vivant dans l'océan. Bon, je vais attendre la fin parce que c'est vraiment pénible de lire comme ça. Je ne sais pas s'il est humain ou non. Il dit que l'évolution est affectée par la lumière d'une comète. Ouais, c'est ce qu'on nous avait appris un peu plus tôt. Je voudrais faire ce voyage avec vous. Mais avec ce corps, pas question. Vous devez résoudre l'énigme de la comète et les ruines. Je n'entends plus rien. Jonas, j'ai peur. Il a dû étudier le morse. No, no shit, Sherlock, quoi. Franchement... Non, non, il parle le morse naturellement, tu l'apprends à la naissance, morse. Jonas m'a toujours épaté avec son savoir.
En attendant, Jonas n'a plus de forme humaine. Non, Eric, ne pense pas au pire. Seuls les humains croient que la forme humaine est la seule concevable. Allez, souris, on repart. C'est juste une baleine géante. Il bouffera plus que du plancton maintenant. Ok, on est sorti. Enfin arrivé, nous avons marché dans ce tunnel pendant plus d'un mois. Regarde un panneau. Quoi? Séraphin? Pèlerin utilisait cette pièce? Des séraphins vivant ici? Pourtant, les séraphins ne rencontrent pas les humains. Ok, reposons-nous dans cette pièce. Je peux bouger. Merde. Paul, viens avec moi. Bon, c'est pas grave. Pourquoi souris-tu comme cela? S'il en est ainsi, je partirai toute seule. Ne me suis pas. Bah, casse-toi. Pourquoi es-tu si ronchon? Elle doit être fatiguée. Laisse-la tranquille. Bon, je peux bouger ou bien... Ok, bon allez, elle est partie faire du boudin. Par ici. C'est quoi ça? Entrée de Séraphin. On va y aller après, on va d'abord aller voir la pièce là-bas. Donc c'est une ville, hein, tout simplement, c'est la ville des Séraphins. C'est assez joli, bon, même si bon le côté caverne, c'est pas mon trip, c'est plutôt joli avec les effets de lumière, moi j'aime beaucoup. Alors, Paul, je désire te faire part de quelque chose. Je ne sais pas comment commencer. Je suis amoureux de Lily. Je pense qu'à elle, je veux être qu'avec elle. Ce n'est pas vraiment mon style. Menteur. Vous avez vécu beaucoup d'aventures ensemble. C'est le déroulement naturel. C'est bientôt l'anniversaire de Lily. Je voudrais lui faire un cadeau pour qu'elle comprenne. Que dois-je lui offrir? Un bisou, c'est peut-être un peu trop dès le début. Un collier. Je sais pas comment tu vas en trouver un. Je suis tenté de te dire des fleurs, mon pote, mais... Toutes les femmes aiment les fleurs, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais... Je sais, je veux lui envoyer des roses en signe d'amour. Merci pour tes conseils, c'est rassurant d'avoir un ami tel que toi. Ouais, enfin, moi je t'ai dit des fleurs, après, les roses ou autre chose, c'est un peu comme tu veux. Ok. Pourquoi les séraphins vivent-ils dans cette obscurité? C'est d'un lugubre. C'est pas faux. Puis côté humidité, paye tes rhumatismes. Le soleil tape vraiment fort, j'avais jamais remarqué auparavant. C'est pas qu'il tape fort, c'est qu'en fait t'es resté un mois dans la sombre, dans l'obscurité, du coup forcément, là un peu de lumière, tu t'arraches la rétine. Je pense que les séraphins sont les descendants de la tribu de Mu. Ok. Nous on fait toutes les générations, on est intergénérationnel. Direct. Bon bah y'a que dalle, on va se barrer dans la ville qui est un peu plus intéressante. Un peu beaucoup même. Hop. Non, on le sait ça, on descend. Il y aura donc Flora un peu plus... Ouais, ils ont des drôles de têtes, par contre, je les aime pas du tout. C'est Séraphine. Si nos corps restent exposés au soleil, c'en est fini de nous. Ok. Et là, un panneau qui sert à rien. Ok. Nous représenterions la forme vers laquelle les humains évoluent. Alors, évolution, t'appelles ça une évolution, toi. Le fait de plus pouvoir sortir d'une grotte. Les couilles, ouais. C'est pas une évolution, ça. Je ne sais pas depuis quand nous vivons ici, mais dès que je pense à l'océan, j'ai le spleen. Je sais plus ce que ça veut dire, le spleen, c'est genre une bonne sensation, mais je suis plus sûr. Nous n'avons pas d'émotion. Depuis ma naissance, je n'ai jamais ri ni pleuré. Je survis, c'est tout. Bah, tu parles d'une vie. Bon, tu me diras, ça évite les conneries, hein. L'émotivité, ça n'a jamais été terrible, mais enfin. Ici, il y a un passage. Je sais jamais où il faut aller, on se trouve que c'est tellement grand. Oh, ils font des bisous. Nous représentons... Ouais, blablabla... Ouais... Par contre, vous êtes une évolution, mais vous répétez toujours la même chose. Tu vas mourir, toi, non, t'es au soleil. Un jour, une personne nommée Flora vint ici. Dégâts loua sa beauté, puis elle alla dans son studio. Ouais, en fait, ils sont tout perdus, donc ils savent pas du tout quand se passent les choses. Parce que Flora, elle vient juste d'arriver, mon ami, hein. Je veux pas te faire peur. Je vais t'indiquer le chemin du studio, mémorise-le. Laisse-toi porter par le vent, observe bien la flamme du flambeau, alors tu comprendras. Au bout des pièces obscures, là où le vent s'engouffre, écoute le bruit de la cascade. Puis, lorsque le son s'amplifie, c'est là que tu dois te diriger. L'atelier de dégâts est en face, sois prudent. Ok. Il nous a indiqué, en fait, en gros, il fallait suivre le vent et le bruit. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc, c'était bien par là. Ici, rentre là-dedans, s'il te plaît. Ok. Un rubis de feu. Il y en a 4 en toit à récupérer. Ok, les gens viennent ici penser. Je danse pour me remémorer les sentiments humains, mais en vain. Ils sont tous à peu près à la même gueule. Des gars à pince tableau accrochés au mur, mais on ne sait pas ce qu'est devenu le modèle. Nous sommes sans expression, mais des gars nous a peint avec des sentiments humains. Depuis, les gens affluent ici avec l'espoir qu'ils feraient leur portrait. Ok. J'ai déjà dansé la salsa avec le modèle du tableau. Ok. Là, tu danses tout seul, surtout.
Là, il y a des anges. Séraphin, de toute façon, c'est je sors d'ange, il me semble. Mais bon. Je suis Samuel, le bijoutier. Je contrôle les 7 mers. Je garde 23 rubis de feu pour toi. Tu as collecté plus de 20 rubis. D'après la liste, ton pouvoir spécial augmente. C'est un pouvoir étrange donné par l'esprit. Ton pouvoir de charge est augmenté. Ok. Ok. On y est presque, encore 6 et on a pouvoir noir. Donc là, on a augmenté notre pouvoir de charge. Laisse-moi tranquille. Joueuse de harpe, la musique est le meilleur remède pour guérir les maux. La chanson adéquate adoucira la maladie. Je pensais qu'elle allait nous apprendre une mélodie, et même pas. Donc pour l'instant, 24 rubis, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok. C'est pas un bug, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais... Je suis un peintre et je veux peindre 1000 tableaux au cours de ma carrière. Ok. Alors là, t'es surtout un teubé. Quel côté choisir? Ah, ben voilà. À chaque fois, je suis pas très loin d'un truc, en fait, hein, d'un abri de Gaïa. Bah, écoute, on va s'en servir. En même temps, je pense que je pourrais regarder mon pouvoir de charge, est-ce que ça change. Je fais peut-être plus de dommages. Hop! Bah, du coup, on continue notre petit périple. Hein. Toi aussi, tu vas mourir, elle reste au soleil. On dirait qu'elle dort et qu'elle n'a plus aucune sensibilité. Bah ouais, elle est au soleil, quoi. Bah, désolé pour les bruits de manette. Hein. J'essaye de pas en faire de trop, mais bon. Ce n'est point évident. Bah, pour l'instant, c'est plutôt mortel ici. Hein. Il se passe pas grand-chose. Connais-tu Dégâts le peintre? Nope. Tu devrais parler à tout le monde. Oui. L'atelier de dégâts est situé de l'autre côté de cette porte. Attention, des créatures au cœur noir, ils sont tapis. Si tu dois partir, tu peux ouvrir la porte. Moi, je l'ouvre. Comme ça. Ok, donc là, il va y avoir des monstres, hein, vous vous en doutez. Ok. Donc ici, en fait... Voilà. C'est pas très très dur. Je sais plus du tout, par contre. Là, ils vont vite, j'avais oublié. Je sais plus du tout par contre, je disais si on gagne des trucs. Viol, non. Tiens. Ah, j'ai pas été. Il est pas mort. Je veux bien, mais là ça descend vachement quand même. Hein. Merde. Ok. Ah, il n'y en a plus qu'un. Ok, donc il vaut mieux qu'on vide la salle, puisque même ici on gagne de la force. Et vu que c'est notre seul moyen d'augmenter nos stats, autant en profiter. J'aime pas du tout. On va remonter parce que là j'ai l'impression de me paumer. Enfin, de me paumer. M'éloigner des salles parce que je sais pas, je pense pas qu'on puisse y retourner après. Du coup, on va éviter de faire le gueudin. Il n'y a plus personne ici. Ok, bon bah j'ai rien dit. À moins que c'était l'or. Donc on vient de là, je pense, ouais. Ça commence fort. Bah c'est juste qu'ici il doit y avoir une salle. Ok, il y avait que dalle. Il vaut mieux faire ça pour rien. Il faut suivre le vent. Donc là, vous voyez les torches. Oui. C'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué. Donc comme ils expliquaient qu'il fallait suivre le vent, on m'a regardé. On va dans l'autre direction, quoi. C'est comme ça que vous savez si vous prenez le bon chemin, en fait. Donc là, on est toujours dans le bon. On est toujours dans le bon. Là, il n'y a qu'un chemin. Donc fatalement, pas vraiment... Oh, 19. Ok. Donc là, je crois pas qu'on puisse se tromper. Là, logiquement, c'est pas le bon chemin. Ok, on l'a eu comme des pros. Bim! Je sais pas si ça fait quelque chose. Nope.
Donc c'est censé vous paumer si vous réfléchissez pas, mais bon, je veux dire, à partir du moment où vous savez qu'il faut suivre le sens du vent, y a rien de bien méchant. Je sais plus du tout où on est. Je crois que je me suis encore paumé, quoi. Mais j'essaye de tout visiter comme il faut. Ah ok, en fait c'est normal, d'accord. Les coquins. Ouais, c'est ça en fait. Hop. Ah ouais, eux, faites gaffe, hein. Putain, mais ça c'est chiant par contre. Bim. Donc là, c'est par là, donc on va continuer un petit peu à droite. Merde. Putain, il fait vachement mal, cet enfoiré, j'avais pas vu. Vous avez vu la vie que j'ai perdue? C'est un truc de ouf quand même. What? Viens ici toi. Ok. Ah, on n'a pas encore eu tout le monde, tiens. Donc ouais, en fait ici les salles ça sert juste voilà, à mettre des ennemis pour si on veut améliorer ses stats ou pas justement pour ceux qui s'en foutent. On va concentrer notre truc. Oh, one shot. Voilà, ah ben ça c'est parfait. Vas-y, donne de la vie, y'a bon ça. Tac. Ok. Des ennemis par... Oh ouais, y'a des ennemis par ici. Attends, doucement, doucement, t'emballe pas. Ah, il en reste deux. Merde! Ils ont été généreux avec l'Hitbox là. Ils ont été super généreux parce que je l'ai pas. Je l'ai pris en pleine gueule là. Hop! Donc ici il faut suivre le vent. Donc là vous savez qu'il y a une porte planquée ici quelque part. Puisque vous voyez, là elle va par là. Et là elle va par là. Mais nous. Ah, je pensais qu'il y avait une porte sur le côté. Le vent passe par la fissure du mur. J'ai trouvé un passage. T'as rien trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Ah, je les avais oubliés ceux-là. Allez, viens ici, toi. Tac. Nope. Vu qu'ils font super mal, autant... Hey! Ou alors, tu te ramènes. Ok. Tac, on va les voir par là. Non. D'abord, on va les voir par là, du coup. Oh ben. Le rubis de feu, donc voilà, c'est celui... l'entrée. Ah bah oui, je suis bien con. Hop, donc ici... On court comme des gueudins. Putain, il y a deux ennemis en plus. Ça, c'est juste fait pour nous ralentir. Encore de la vie, bah, décidément. Hop. S'il n'y a pas de technique, il faut juste courir comme un crétin. Hop. Oh, 17 ennemis, putain. Ouais, c'est one shot. Ah, en effet, là, notre force, elle a augmenté. Hein. Non. Yeah. Hop. Bon, ici, c'est du farm, en fait. Hein. Je veux rien dire, mais... Oh, putain, je t'ai fermé ces combos, là. Et hop, de la défense. Attends, on va devenir une vraie machine à tuer, ici. Alors, tac. Donc ici, vous avez trouvé, on a trouvé le seul rubis caché, j'ai envie de dire. Là, le prochain sera un peu plus loin, normalement. Donc là, tendez l'oreille comme il vous avait expliqué, regardez, je vais reculer comme ça, vous allez bien entendre. Donc là, le son est très léger. Et
Et là on s'éloigne, donc on... bon évidemment c'est un peu flag en plus, mais hop, le passage est là, ben, par rapport au son, hein, comme il nous l'expliquait. Y a rien par ici. Ok, il y a des portes partout. Ah bah voilà Flora qui s'est fait peindre. Le portrait de Flora est enfermé là, ok. Ok, donc là il y avait un rubis de feu, voilà, planqué dans la jarre, comme dirait Jean-Michel, et donc bah du coup valait mieux pas l'oublier, je pense pas qu'on puisse revenir. Enfin je sais plus en fait. Voilà le fameux Degas le peintre, enfin Degas, je ne sais pas trop. Es-tu venu ici pour reprendre Flora? Entre dans cette pièce, si tu peux résoudre tous les rébus, la fille est à toi. J'adore André qui me peint la tronche. Donc ici, il va falloir résoudre des énigmes, vous allez voir. Donc il va nous l'expliquer de toute façon, au loin la voix de Degas. Observe bien cette pièce, mémorise tout, puis sort. Donc vous mémorisez les couleurs souvent. Et l'emplacement des objets en fait. Donc là c'est gris, rouge, rouge, il y en a trois, il y a deux bouquins, une jarre et deux trous. De toute façon si on se trompe, c'est pas dramatique. Indique-moi ce qui a changé normalement. C'est ça, c'est cool, en plus j'avais oublié que c'était une flèche. Correct, la jarre a changé de couleur. Bien, va dans la pièce suivante. C'est pas très très dur en fait, le plus dur avec des gros guillemets c'est le dernier. Ok, donc il y a deux gonzesses, fond vert, fond gris, deux jarres rouges, un caillou, un banc. Hop. Il me semble que c'est les jarres. Puisque le fond... Ah, moins que les fonds. Ah, je sais plus, je crois que c'est ça. Correct. Ouais. J'ai hésité avec la couleur du fond, mais non. Je crois qu'il y a que trois ça, en plus. Ok. Ne l'oubliez pas, hein. C'est le 4. Ah non, c'est l'herbe, merde. Voilà, vous avez eu les 4 rubis de feu de la zone, et ça, c'est plutôt cool. Blablabla, donc c'est toujours la même phrase. Donc là, ben, deux grosses têtes et une troisième grosse tête de femme. Voilà, donc là en fait il nous demande de montrer ce qui a changé. Ben la seule chose qui a changé c'est qu'il y a un courant d'air dans la pièce, donc il faut se cliquer dessus. Voilà, donc vous voyez c'était tout bidon. Hein. C'est un jeu des 7 erreurs en un peu plus simple je trouve. Faut juste être un minimum attentif. Je sais pas ce qui se passe quand on se trompe, j'ai pas souvenir de m'être trompé un jour. Ou si ça m'arrive à mon avis, ben, ça doit pas être très pénalisant parce que je m'en rappelle pas. Voilà, Degas donc a fait son autoportrait. J'attendais ta venue. De poudre Merline, ce portrait, tu dois saupoudrer, puis lui donner un baiser. Si tu l'aimes vraiment, quelque chose arrivera à Paul, assurément. J'ai peint un autoportrait, Paul. Bientôt, je deviendrai ce tableau. Tu dois veiller sur elle. Bon, je suppose que c'est la poudre Merline. Retourne voir notre copine. Salut. Si blabla, oui, c'est vrai. Hop, j'ai donc déjà. Mine de rien, là, des herbes, on commence vraiment à en avoir un paquet. Ça fait plaisir, mais j'aurai bientôt plus de place. Il tenta d'utiliser la poudre Merline. Il saupoudre de poudre Merline le portrait de Flora. Allez, fais-lui un bisou. Flora, reprends ta forme initiale. Délicatement, Paul embrasse le portrait de Flora. What? Salut. Paul, désolé d'avoir été si égoïste. Flora, tu es insupportable. Tu n'es pas la seule à faire ce voyage. Moi, hein, sniff, sniff, moi, non, pleure. Je sais même plus où j'en suis. Lorsque j'habitais au château, j'avais tout ce que je désirais. Avant de commencer cette quête, j'étais une personne différente.
Peut-être, mais arrête de croire que tu peux tout contrôler. C'est paradoxal, dès que je suis loin de chez moi, je me languis. Lorsque j'y suis, je m'ennuie. Je sais que tu ne me comprends pas, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais. Flora, j'étais très inquiet. Pourquoi pars-tu toujours toute seule? Tu penses jamais qu'on peut s'inquiéter? Paul m'a déjà fait des remarques à ce sujet. Alors, Aptus, je présente mes excuses. Elle fait des efforts, on devrait lui pardonner. Aquaville doit être au sud à environ 3 jours de marche. Nous devrions y aller tout de suite. Dites-moi quand vous êtes prêts. Donc bah là, on n'a plus rien à y faire. On a ramassé tous les rubis, on a ramassé tous les objets, on a tué tous les ennemis, donc on a beaucoup plus de force. D'ailleurs, on va regarder un peu le statut. Hein. 14 de force et 15 de def, c'est plutôt... C'est plutôt une bonne chose. Du coup, hop, yep, on se casse. Attention à ne pas attraper d'insolation. Donc on va à Aquaville, donc ben, je pense que vous n'êtes pas teubé, vous en doutez bien que c'est une ville aquatique. C'est une ville aquatique. Là j'aime bien quand on a ce groupe là, c'est le groupe, il me semble que c'est un des groupes les plus complets qu'on puisse avoir. Ça sert à rien, c'est juste joli à l'écran. Parce que Paul au final se bat toujours tout seul de toute façon. Ce qui est, enfin, c'est dommage, non, c'est, enfin, c'est dommage sans être dommage, quoi. C'est vrai que bon, Paul à lui tout seul incarne plusieurs personnages, donc c'est pour ça aussi, quoi. Puis ça évite la redondance de devoir s'entraîner, quoi, vu que le système de d'entraînement est différent. C'est une chouette ville, franchement, j'aime beaucoup cette île, mais on le fera la prochaine fois, hein. Aquaville. Mais écoutez, je vais rester sur cet écran, je pense. Je vais pas toucher à la manette. On va s'arrêter là pour une fois, ça fera un épisode un peu plus court, ça changera des épisodes d'une heure de la dernière fois, hein. J'espère que ça se reproduira pas. Enfin bref. Voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus après avoir exploré donc Séraphine. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien et je vous dis bien à la prochaine pour la suite de ce let's play. Allez, bye!